Bonjour. Un joli tablier. Ah oui, publicité pour Canal Austral. Ah ouais, ben, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui là? Aujourd'hui, mais ça fait une quiche au thon. Au thon. Au thon. Hein, d'accord, alors, hein, les bons. Hein. Et vous le faites tout seul parce que la mamie aussi est cool. Oui, mamie. Mamie, Charlène, mamie, comment ça va? Ça va bien. On fait un petit tour à Bassin la Boulin pour passer un bon moment ensemble. Voilà, les bons. On est entouré des amis. La famille, t'as l'heure va venir. Les bons, on va tout mettre son linge là-bas, tout est prêt. La Simone de l'autre côté, Richard là-bas, et Bernard au fond là-bas, tu prépares son bar comme d'habitude, parce qu'on aura beaucoup de monde tout à l'heure. Mais là, nous, les là-bas, c'est la boue. Ça passe un bon moment ensemble. Entouré, non, non, là, pas la boue, mais nous, les entourés des amis, la famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Ben, on a une phrase qui me revient. Christophe Mahé, il a dit, où est le bonheur? Et moi, je dis que le bonheur, il est là tout simplement. Le bonheur est chez Canal Austral. Ah oui, là, c'est ça, le bonheur, il est là. Mais je ne suis pas sur cette terre éternellement. Je sais qu'un jour, je dois partir. Mais Bob Marley a dit, un jour ne vit pas que pour ta présence se recense. Mais que pour ton absence se ressent. Ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressent. D'accord, voilà. Ça, c'est et la violence, mais achève, hein? Achève, oui. La violence contre les femmes, tout le temps, Nena. Eh bien, Nena aussi, la violence contre les hommes. Mais moi, me dis aux autres, il ne faut pas être dur l'un envers l'autre. La tendresse, ce n'est pas dans le cœur. La tendresse, il faut montrer. Le mauvais moment, c'est du passé. Et une femme, il n'y a pas besoin d'un coup de poing, coup de pied dans la tête. Une femme a besoin de la tendresse, de l'affection, de l'amour. Un amour si fort peut traverser les épreuves. Mais quand un couple a marié, ils étaient contents. L'amour était doux, l'amour était fort, l'amour était avec un grand A. Mais où ça l'a passé cet amour-là? Là, puis au bout de quelques années plus tard, plus d'amour. Coucou Morgane, l'amour là, l'amour 1, l'amour 2, l'amour 3, l'amour 4. Donc, me dis à ça. C'est pas Morgane ça. Ah, mais là, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est son camarade, son camarade Ali. Son camarade. Son grand camarade. Ben, c'est dire, ils sont camarades, un coucou. Voilà. Donc, me dis à ça quand il est interrompu. Pas besoin de bataille. Fais son vie, chacun de son côté. Demande le divorce. Le divorce n'a pas fait pour les chiens. Ah, Gabi Laïcune. Pour Gabi Laïcune et Céline. Et Céline. Donc, la femme n'est pas une poupée Barbie. La femme n'a pas besoin de mettre dans une case comme un petit oiseau. La femme n'est pas un objet. La femme l'est fait pour être aimée. Dans certains cas, la femme n'a pas la parole. Elle ne gagne pas l'esprit malé. Dans un couple, la femme doit être libre. Car la liberté pour une femme, ça n'a pas de prix, ça vaut de l'or. Quand la femme est malheureuse, elle y pense à ce moment intense. Et c'est ça, on dit que les plus beaux souvenirs sont celles qui font le plus souffrir. Car plus petit est le cœur, mais plus grand est l'amertume. Le plaisir d'amour ne dure qu'un instant, mais les peines d'amour durent toute la vie. Et l'amour, je t'y connais. L'amour, c'est l'espoir. L'amour, il fait vivre. L'amour efface le passé. L'amour, c'est naturel. L'amour peut déplacer une montagne. L'amour n'a pas de frontières. L'amour, c'est naturel. Donc, un manque d'amour, c'est le plus grand des pauvretés. Big up Canal Austral, miyamzo tout, un coucou à tous mes enfants, toutes les gens qui regardent à moi, toute ma famille, sans oublier Valère Coindin avec son petit frère Alex, et une dame à la cité flamboyant, Francette, et toute la famille Ragouvin, zot tout, miyamzo tout, un gros big up. Et big up Canal Austral, miyamzo tout. À moi, crête d'or. À vous, ça fait la cuisine aussi, alors? Oui, ça ce fait soir, une hein, ça avec Léonie. Parce que Léonie a commencé, hein. Entre temps, quand mamie t'a fait son petit discours, parce que c'est un discours, hein. Ben, la fin d'année, nous aura droit à un autre, pour Canal Austral. C'est ça, hein. À nous, nous a droit au discours pour un anniversaire, pour une communion, pour un mariage, pour la fin d'année. Pour toutes, nous, on a droit à un petit discours. Un petit discours fait par mamie Charlène. Voilà. On a toujours fait discours, ou bien ça arrive un peu tard, ça. Ben, depuis Jean-Claude, dans le Canal Austral. Oui, depuis là, ça. Bon. Ben, oui. Avant aussi, un petit peu. Hein. Ben, pas vraiment. Parfois, il arrive qu'il fait un petit discours, mais très rare. Mais depuis Canal Austral,
Ben, ça devient naturel. Ah, depuis une quinzaine d'années, alors maintenant, on fait des discours. Oui. Et tous les gens, ils aiment bien mon discours. Oui, ben. Un gros coucou à toutes mes fans, parce que ça, ils aiment bien mon petit poème. Les beaux, ok, alors. Alors, Léonie, dans cette quiche-là, hein, on a des poireaux. Oui. Hein, on a de la crème fraîche, mal à vue. Ça, c'est quoi, ça? C'est la pâte? La pâte. Oui. Et les œufs. Les œufs, le thon. Et après, dis-moi, du coup, c'est quoi ce gros paquet, le thym, où la prend là? Le thym, acheté en grande surface, et citron et oignon. Voilà. Mais ça, c'est un pied. Regarde le gros paquet, le thym, comparé le mien à pied là, et il fait défaut, là. Ça, les gros paquets, le thym, ça. Entre du thym brésilien, mamie, hein? Il ressemble. Le thym brésilien, la feuille n'est pas pareille. La feuille est plus grosse. Moi, à Sillaros, je tiens un plan le thym comme ça, mais il ne vient pas grand comme ça. Mais Liliane, elle a un petit pied, la mienne carré comme ça. Ah bon? Pas plus qu'aujourd'hui, là, il vient de couper moins qu'un petit dôme citrouille. Ah, d'accord. Alors, un petit dôme citrouille avec le thym dedans, les biens, ça, les grillards. Bon, Bélonie, mais là, ça vous prépare, alors. Donc là, ça fait où ça coupe ça en petits morceaux? Ça, j'ai coupé. Après, découpe les oignons. Oui. Prépare la pâte. Ouais. Mettre dans le plateau. D'accord, les plateaux et là. Après, faire la petite sauce avec crème, œufs, sel, poivre, un petit peu de muscade. Et tout ça, après, on verse dessus. D'accord. Les bons. Mais me suivez, ou alors, hein? Les bons? Allez, à tout de suite. Et là, le poireau, coupe-le comme ça. Coupe-le en rondelles. En rondelles. Oui. Hey, le poireau, là, on a un début, mais la fin, là, où ça, et c'est comme bonne. Comment il appelle ça? Bonne ménage de la cour, la palmiste. Hein? À un moment donné, elle est dure après la fin, non? Non, pas trop, mais il faut casser, il faut relaver. Parce oui, que et après, on refluche tout même les petits bouts comme ça, là, alors. Les petits bouts, je mets un petit peu quand même. Ah ouais. Pour donner la quantité. La quantité, la couleur aussi. Hein? Simone, mange un peu de poireau. Oui. Hein. On va donner une cause créole avec Simone. Hein? Simone comprend créole maintenant, depuis le temps. Hein? Ah, Simone, tu manges poireaux, toi? Oui, je mange des poireaux, moi. Comment tu fais ça? Tu fais pas ça avec ça? Non, je fais bouillon, on mange comme ça le soir. Bouillon? Ouais. Sel, poivre dedans? Sel, poivre. C'est tout? Oui. C'est pas bon, ça? Ben, si. Ah bon? Ouais. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire un régime? Ben, régime, parce que ça, il a gros ventre maintenant, pareil que moi. Ouais. Il faut que je donne. C'est comme ça que tu parles à ton mari? Oui. Et ben, vous l'avez vu comment il cause avec son mari? Hein? Ah, oui. Mamie, vous l'avez vu, il a dit Richard, il a gros ventre, donc il faut lui donner. Fais régime, Richard. Fais régime. Ben là, il faut lui acheter un artichaut et vous faites bruit. Fais la mayonnaise ou un petit peu sel, poivre, plonge dedans, on mange. C'est très bon. Ah oui, nous faisons ça. Comme les artichauts. Ce matin, on a acheté marché forain. Ah bon? Ah oui. On a de place à 2 euros, 2,50 euros. On a de place 3 ou 4, un peu plus petit, mais il est à 2 euros. Ah, ce bon. Matin, on a acheté. D'accord, alors. Il paraît que t'as gros ventre, c'est pas vrai du tout. Gros ventre, mais j'ai pas envie, moi. Non, mais... Ah non, t'as pas... Jamais. C'est quoi ces histoires-là? Et c'est vrai que tu manges des poireaux comme ça, oui, en pile grec? Le soir, je mange que du légumes. Ah bon? Que du légumes, ouais. Hein. Faut éviter de manger du riz tout le temps, quoi. Ah ouais. T'as toi une vie saine, toi, hein? Tu utilises beaucoup de produits naturels. Ah, hein? Beaucoup. Normal, à Madagascar, là-bas, on utilise beaucoup de produits comme ça. C'est ça, Madagascar, c'est d'accord. Que du bio là-bas. Ah, façon, d'accord, hein. Alors. Ok. Les bons, Richard, merci. Allez, salut. Allez. Toto, mais qu'est-ce que vous faites avec bonne saucisse, là? Une saucisse, c'est joli. Joli, ben. Comment ça va? Ça va. Comme un mardi? Ben toujours, comme d'habitude. Nous, le mardi, nous laisse pas rien tomber. Ouais. À nous, c'est mardi et vendredi. Hein? Et puis, les gens disent qu'on nous mange tous les jours. Mais non, les tournages se font le mardi et les vendredis et diffusés toute la semaine. Voilà. Donc voilà, ça donne l'impression qu'on nous mange tous les jours. Non, hein? Mais sinon, nous viennent les vendredis gros. Ben nous, déjà gros. Hein? Simone a dit comme ça, son mari est gros, donc il donne... Elle donne rien que ça, t'y chaud avec vinaigrette, sel, poivre dedans pour manger. Hein? À nous aussi, pareil. Hein? Ouais. Il prend un peu de poids depuis que la télé existe. Hein? 15 ans déjà que nous mangeons sans compter. Hein? Ah, ben à un moment donné, ça va. Il ne faut pas nous rester trop longtemps ici. Ah, il ne faut mieux pas. Il hein? Faut mieux pas nous rester trop longtemps. Hein? Ben, hein? Alors, assois un petit rougail saucisse, tranquille. Petit haricot rouge.
Ouais, parce que nous on a du monde ce soir, ouais. Nous reçoit un député européen aussi, hein, André Rouget. Et puis après, nous on a des gens qui vont parler du G des îles de l'océan Indien, hein, le président du CRUS. On a Maïko qui est là ce soir, on a un artiste de Maurice qui est là ce soir. Ouais. Et puis on a Miss Élégance aussi tout à l'heure qui va arriver. Ah, du monde, hein? Pas mourir. Pour un mardi soir. Pour un mardi soir. Voilà. Ah, c'est... mais on profite de l'occasion, et madame nous connaît très bien. Ouais. Dimanche, ma vieille station-service. Monsieur Toto, les gars, Canal Austral, tout le temps. Fais un petit coucou pour lui, fais un petit big up pour lui. Madame Valé, mais quoi, il appelle. D'accord. Elle me dit, Madame Valé, voilà où tu big up, m'en a fait. Parce que là, demain. Ah, où les rats, on fait big up. Mais là, on m'a offert. Oui, mais après, avec tout le monde, il trouve à moi, il dit, fais un petit coucou pour lui. Il fait, mais ça m'a mis au bisop, non? Excusez-moi, il ne m'a pas retenu, mais il fait toujours un petit big up avec les gens, il connaît, il côtoie nous. Et ils regardent nos émissions, tout ça. Alors, continuez à regarder s'il plaît aux autres. Et n'oubliez pas, s'il y a des autres, quelque chose de venir, mais les autres les libres. D'accord. Les bons, alors. Venir quand tu veux. Ok, alors. Et puis ce soir, regarde nous tu te mènes. M'y vois. Pour un mardi de bon. On gagne saucisse. Et après, nous avons une quiche là que Léonie est en préparer. Ouais. Et tout à l'heure, nous avons de la crevette à la sauce safranée. Curry. Voilà, curry, les bons, ouais. Ok, les bons. À tout à l'heure. Allez. Papa, on fait un revient de saucisse. Hein? Et là, mamie prépare des oignons pour où? C'est pour Léonie. Ça, c'est pour Léonie, c'est pour la quiche. Hein. Besoin, mais après, bon, pour Toto aussi. En même temps, parce que Toto, tu auras besoin des oignons aussi. Hein? Oui, voilà. Et là, ils ne mettent pas dans l'ail saucisse. Ouais. Donc, Simon, toi, tu prépares de l'ail pour Léonie, là. Hein? Oui. Voilà, pour le grain aussi. Hein? Donc, il faudra un petit peu de l'ail pour le grain aussi. Hein? Voilà. Oui. Léonie a besoin de l'ail ou? Ah non, pas du tout. Ah, mais pas de l'ail, là. Ah non, non. Donc, l'ail, c'est pour les grains. Et peut-être que pour les crevettes tout à l'heure. On ne sait pas. Oui, oui. Là, le couteau, elle ne coupe pas ça. Oui, ça coupe pas. Hein, la petite elle coupe bien. Bien sûr, elle coupe. Hein. Toto, vous l'avez un couteau là, ça en a au moins 2 ans ici. Hein. Mamie, avant, tu donnes moi des couteaux jetables, vous rappelez? Oui. Ça qui coupe bien. Oui, mettez, il marche 3 semaines, 4 semaines. Après, mais tu ne coûtes pas cher, hein. 3 euros, 2 euros. 1 euro. 1 euro, oui. On arrive à 1,50 €, mais là, mais non, non, quoi. Hein. Hein. Pourquoi aller cette rentrée? Couteau jetable. Hein. Ça, c'est pas le petit couteau qui coupe bien. Ah, ça aussi coupe bien. Ouais. Mm-hmm. Mais moi, je n'ai pas habitué à travailler petit couteau. Moi, chez moi, c'est des gros couteaux comme de la maison. Ah, ouais. Là, ouais. Ça coupe pas. Ça coupe pas, ça, Simone. Ah, ça fatigue. Ça fatigue. D'accord, ok. En fait, tout ce qui est poisson et tout ce qui est thon, tout ce qui rapporte à la mer, on perce un petit peu de citron dessus. Citron comme dessus, ça. Oui. Comme ça. Et il n'y a pas trop goût le cru. Ah, d'accord. Les bons, on va roussir. Ah, on fait revenir aussi après la préparation, oui. D'accord, avant de faire la cuisson. Et la pâte, pas besoin de la décongeler un petit peu ou laisser un petit peu à l'air. Tout à l'heure. Ah bon, oui, d'accord, c'est bon alors. Hein. Surtout, ça fait des oignons alors. Hein, pour une belle saucisse. Hein. Les crevettes seront tout à l'heure. Hein. Crevettes à la sauce, à la crème. Et au safran, non, au curry. À la crème au curry, mais c'est pas moi, c'est Émilie. Donc c'est Émilie, faudra qui fait que j'attende Émilie. Allez, bon, on va voir tout à l'heure. Hein. On a le temps parce que nous, on a d'autres choses à faire en attendant. Hein. Voilà. Hein. Là, il y a le CRUS qui est arrivé, le directeur du CRUS. Et parce qu'on va parler tout à l'heure des Jeux des îles de l'océan Indien qui va se passer à Madagascar en mars de cette année. Voilà. D'accord, voilà. Super ça. Voilà. Et donc, ça, c'est la pâte. La dent comme ça, hein? Qu'on va dérouler dans le plateau. Mais on peut faire sa pâte aussi soi-même. Oui. Éventuellement. Oui. Ça prend plus de temps. Ah bon? Parce qu'il faut la laisser se reposer, tout ça. Ah d'accord. Donc là, on va roussir, on va mettre dans la pâte et puis on va mettre tout au four. D'accord. Hein? Oh, ouais. On a 2 fois ici. Ah super. Voilà, super, hein, voilà. Toto, n'est-ce pas? Toto, on a vu que notre foie ici n'était pas trop bon, enfin, tu connais, foie dernièrement. Elle dit comme ça, au moins qu'elle y a besoin, là, hein. Elle y connaît les siennes, les bons. Non, mais cette ici, là, hein, c'est un foie qui a un bout de temps, hein, mais qui est bien, hein, qui fonctionne. Mais les thermostats. En thermostat, Toto n'arrive pas à déterminer le nombre de degrés. Alors qu'ils sont fous à l'écrire degrés. On a compris pourquoi il n'est pas tiré de son four. Toto, on la met à peu près dans bien voir. D'accord, alors. Bon, c'est aux oignons, tout à l'heure. Mais il y a un petit peu d'oignons là, non? Parce que dans la quiche, il faut beaucoup d'oignons. Non, pas beaucoup. Ah, pour Émilie avec et même pour Toto, parce que Toto a besoin de beaucoup d'oignons aussi dans son bougail saucisse. Hein. Voilà. Femme fraîche. Une fraîche épaisse, hein?
faut épaisse ou semi épaisse, c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ça, épaisse, mais après, les gens ils peuvent mettre cette lait en liquide aussi. Ouais, ouais. Oui, on utilise celui-là, d'habitude. Ouais. Et là, on connaît que celui-là pour deux quiches, par exemple. Ah bon. Et ouais. Deux boîtes de thon, tout est en double. Ah deux, bon, deux, deux. Tout est en double. Voilà. Ouais. Après, il faut doser. Voilà. C'est bon, alors. Ok. Tu perds bien en revenant les saucisses. Ah, on coupe les saucisses de la sentier. Ouais. Ah, le combien ou la saucisse sentier. Ah, ben oui. Ah, bon, d'accord, c'est bon. Tout va être. Hein? Tout va être. C'est bon. Bonjour, Cathy. Bonjour, Christelle. Très bien. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors, quiche au thon. Quiche au thon. Et la papa l'a fini un peu. Donc là, nous aussi le toutes les épices pour la quiche. C'est-à-dire oignon. Le thym, sel, poivre, avec le thon, et on va rajouter ça en viande. Ça c'est quoi? Poireau. Poireau. Mais le thon, poivre. Donc là, on cuit un petit peu. Il faut cuire un petit peu hein, pour le poireau. Surtout. Et après, là, il met dans le moule un petit peu très cuit en fait. Ça plus vite aussi au four? Oui. On a mis un petit peu de citron. Parce que tout ce qui est poisson, tout ce qui est produit de mer, on met un peu de citron. Pour qu'il n'y ait pas trop de goût de... Il enlève le goût la mer. Le goût les crues. Le goût les crues. Le goût la mer. Et du coup là, on mélange tout avec. Oui. Un peu de muscade aussi dedans. Hein. On va rajouter les poireaux. Et on met tout d'un dedans. Ah oui, oui. Après on rajoute un peu de sel poivre, puisque comme il y en a beaucoup. Et là on mélange tout. Mélange tout. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose dedans, un peu de l'eau ou un non, peu. Non, il faut faire sec. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Il faut que ça soit sec. Et là, pour une quiche, il faut combien de poireaux? 4 poireaux. 4 poireaux. Et une boîte de thon. C'est du thon. Alors là, on déroule la pâte. On déroule la pâte. Il faut prendre quel genre de pâte pour faire les quiches? Pâte brisée. Pâte brisée, on pique un peu la pâte avec une pochette. Comme il pique, saucisse qui a fait bruit. Voilà. Non, parce que Toto, il fait bruit saucisse là, là, il a piqué aussi. Ça est sûr que t'es cuit? C'est moi la fait bruit saucisse Toto. Hein. Il n'y a pas piqué. C'est pour les saucisses en préparation en même temps. Ah, et on la change de nom. Hein? La change de nom. Des fois, il arrive parce que je mets toujours en train de voir mon dame en brise. Alors, on va casser l'œuf. Oui. Ne pas mélanger tout. En même temps, au cas où, on a des surprises des fois dans l'œuf. En tout cas, il vaut mieux prendre son temps et faire un par un. Comme le moule est assez grand, on va mettre 5 œufs. Et ça, c'est pour la crème. Enfin, c'est pour la crème. Mais je fais en deux. Parce qu'il y a deux quiches. Du coup, je fais en double, en deux fois. Le même procédé. D'accord. Alors, on commence par les œufs. Oui, les œufs, du sel, poivre. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. On fait à l'œil, ça. Oui, oui, au pif. Et puis la fin. Mais le thym, c'est joli, ça leur donne la cour. Qui sont ça? Ne connais pas moi, le thym à la cour? Non, le thym, le clair. Ok. Le clair. Ah, ah, ah. Tu fais un semblant, trop tard. Ils ont fait ça, le thym de la cour, j'en
Ben, mais quand même, il y a un petit plastique avec, et pense pas que dans les plantes classiques. Je ne vois pas. Regarde, les saucisses que tu as aujourd'hui. Alors, donc là, nous mélangeons tout. On a mis la crème fraîche. La crème fraîche, un pot pour deux. Hein. Là, c'est la moitié. Et après, l'autre moitié. Bon, c'est bon. On mélange tout. Ça fait. Vous prenez vos places ? Après, même là-haut, mais il faut. Salut ! Coucou ! Alors, tu fais quoi ? Alors, je fais des crevettes crème curry. D'accord. Et là, on met un petit peu de citron dessus. Oui, pour enlever le goût de la mer. Vaut mieux. Prends pour faire un service, quoi. Quand même, mais mal bas, mais pas ce point-là. Prends tout, on l'explique comment on fait pour baigner les crevettes avant. Voilà. On baigne les crevettes. Et ensuite, on assaisonne le riz. Système D. Là, donc, du coup, on prend le poil, l'assaisonnement, là, le. Qui a été roussi là, on met aller dans le plateau avec la pâte de choux qui a été piquée un petit peu aux fourchettes. Oui. Étale bien. Comme il y a beaucoup, on y va quoi. Hein. Ouais. Voilà. Ce sera les quiches bien garnies. Hein. Voilà. Pas là ces petits trous, donc tu peux mettre bien partout. C'est des petits mélanges, mais bien tout le tour. On verse tout le petit mélange sur la quiche là. Et après, on fera un autre pour l'autre. Et ça, on verse seulement dessus. Dessus. On passe par le four pour voir. C'est chauffé. On étale bien, on va bien, couvert bien en fait, hein, avec la sauce. Ouais. Et puis après, on met au four. Et après, on se va au four. Voilà. Donc voilà. Donc, mais là, ça, on va vérifier peut-être la température, le temps. Je peux ça. Alors, mal ami. 180. Tu peux mettre 180, s'il te plaît. Là. 180. Et. Là, on est là pour 20 minutes à peu près. Il est en mode four, là. Oui. Dessus, dessous. Voilà, ok, super. Et on regarde de temps en temps. Normalement, c'est à peu près une 20 minutes, une demi-heure. D'accord, ok. Bah, c'est bon. Bonne attente. Petit mélange, j'ai raté un épisode. Oui. Alors du coup, là, j'ai mis sauce d'huître. Et un petit peu de siège. D'accord. Là, je mélange. Parce qu'il faut laisser reposer un petit peu. D'accord. Du coup, là, tout y est. Voilà. On essaye en tout cas. Parce que. Parce qu'il y a les pas pratiques. Trop de force dans mon poignet. J'ai déjà un poignet tout ça pour moi là. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Un petit coup de main. Voilà. Du coup, là, après, je vais mettre un peu de curry en même temps. Donc, vous avez tout fait ça à l'œil, comme ça, au pif, hein. Oui, pas voilà. Pas besoin de dosage, oui, rien. Oui, moi, on me fait au pif. Après, bon, on espère que les pommes. Transpire aussi. Ah ben là, c'est pas bon que ça le fait. On espère. Non, c'est bon, mais c'est... Ça, c'est quoi non. Ah, non. Ah, alors là, ça, c'est quoi? Ça, c'est le paprika. Du coup, je mets un peu de paprika pour le goût et la couleur. Oui, voilà. Surtout que là, ouais, il y a une jolie couleur, hein. Voilà. Allez, touillez, monsieur. Touillez. Fais les muscles. Et fais les deux bras, parce que le bras est plus gros que l'autre. Alors, ça, c'est le poivre. Voilà. Il faut toujours mélanger en même temps. Voilà, oui. C'est mieux. Comme ça, il ne reste pas un côté là, le goût poivre et l'autre côté la poivre. Voilà. Après, maintenant, la main, là, c'est bien. Il faut donner les ordres. Hein. Ah, il faut écouter des fois. Là. Ah. Le sous-chef s'écoute pas. Ça, on va y aller. Un peu de sel. Mes mains peu, mais trop. Il Je pense que là, elle est bon. Qui veut goûter Le chat. Du coup, là, la salive reposée. Un petit peu, voilà. Donc, voilà. Allez, la chef est en place.
la chef. Bon, comme elle est habillée, c'est pour lui la chef. On va essayer de faire un bon truc. Alors, donc du coup, Nana prépare un peu d'oignons pour. Oui, l'ail. L'ail dans le lait. Comment dit ça? Dans le lait, il dit? Dans le lait. Dans le lait, il va mettre quoi? L'ail tout seul. L'ail tout seul. Eh ben, c'est pas très français, hein? Ouais, mais non, pas du tout. Bon, donc voilà. On prépare tout ça. Donc un peu d'oignons, un peu de l'ail. Maintenant, on est assistante. Assistante, mademoiselle Émilie. Assistance de la chef. Et au comité, tout est là, tout chef, c'est les. Parti boire. Non, il y a pas de tournoi de football, il y a bien sûr. Donc voilà, je vais me débrouiller tout seul après. Donc du coup, on a mis le feu. On va attendre un petit peu. Et après, de l'huile. Donc du coup, là, ça fait frites les camarons. Ouais, voilà. Et on fait frites à l'huile bien rose ou bien juste? Non, juste. Madame l'assistante, vous faites quoi? Je mâche le persil. Mâche le persil, d'accord. Et après, on met tout là, comme ça, quand on est prêt, il y a voilà. Besoin d'un truc, il est déjà prêt. Voilà. C'est bien ça. Travail d'équipe. Il faut. Ah, en passant, un petit coucou à toute l'équipe de l'IME, un coucou à toutes les chaînes de l'IME que je travaille avec. Et un petit coucou à tous les gens qui nous reconnaissent. Voilà. C'est bon? C'est chaud? Oups! Allez. On doit voir si c'est assez chaud. Ouh, ouais! C'est peu par peu, mais pas tout à coup. Non, ma peur. C'est gris, tout aussi? Oui. Toi, il dit à moi avec. C'est vrai que le feu là, il est quand même délicat. Hein. En même temps. Voilà, il faut se veiller là. Parce que sinon, dessus c'est pas parti parce que il y a trop de crevettes là. Alors, donc ça c'est le lait. Le lait, voilà. Donc, là on met un petit peu. Bon, longtemps, Ben Adéliam, c'est pas fait un comptage, voilà. Bataille avec le chat. Donc là, nous mettons juste un petit peu et après, nous barrassons pas un petit peu. Donc là, on met un petit peu pour faire fritadier un peu. Voilà, avec le goût. Allez, sous-chef. Allez, sous-chef. Touillez. Ah ben, ton chou, non. C'est une maman. Ah, mais tu m'as dit, le chef n'est pas la même chose. C'est chaud, oui. Pas trop froid, mais... Ah, des camarons. Personne n'a pas vu, mais... C'est pas moi. C'est pas moi. C'est le sous-chef. Voilà, c'est pas moi. Ça donne crevé. Mais moi, ma préférée de crevettes, parce que j'ai plus tendu. Ouais. Donc, bon. Il donne pas de goût, mais voilà. Voilà. Pas beaucoup, juste. Mais c'est du pain avec beaucoup, donc il fait doucement. Là. Et là, après, on va remélanger. Allez. Voilà. Ça les prend bien. Dessous, dans là, il commence à venir bien rose. Allez, sous-chef. Allez, c'est bon, voilà, vaut mieux t'en aller qu'une seule. C'est la chose à faire. Voilà. Allez, mélange bien. Donc là, là, rajoute un petit peu de l'ail. Là. C'est un joli couleur déjà. Nous remettons un petit peu de l'ail. Vous voyez, mais non.
mais pas beaucoup parce que le fumé est assez sec. Ça c'est juste que vous avez un petit goût après. Voilà, juste pour le goût. Allez sous-chef, bouge plus. Et là, c'est les oignons. Et voilà, là on met tout. Ouais, qui aime pas les oignons? Moi. Il y en a deux qui aiment pas, oui. Oh, ça va. Oui. On va trier. Mais mamie, tu peux mettre plus que ça. Plus oh là là, au bossement. Non, mais oui. Madame, non, c'est bon. On va pas en rajouter là. Du coup, après, ça prend un petit peu pour la couleur du curry, parce que dans le curry normal, il n'y a pas trop la couleur. Donc, on va mettre un petit peu de safran juste pour la couleur. Attention. Vas-y. Couvercle, Ali. Alors, je disais que mon français n'était pas français, mais les vins n'étaient pas mieux. Non. Ça, c'est parce que mes traits de cuisse. Aïe, aïe, aïe. Mais mon doux, vous. Comment? Saint-Marie. C'est mon Saint-Marie, quand ça, les bon. Et donc là, la couvercle, Ali. Beau séjourien et beau séjourienne. D'accord. Bah, les beaux à savoir. Ça vient d'être inventé. Ouais. Bon, ben, bah, on la cherche tous les gens qui appellent de tous les quartiers. Ouais. Ah, ça, monsieur Zotilé. Bon piment coton mili, mamie. Bon piment coton mili. Mettre coton mili, c'est dans ce poste de monde. Tiens, je mets là. Ah oui, merci. Tu te donnes un goût aussi à quelqu'un? Ah si, coton mili, on est bon. Mmh. Mais... Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais nous, on y aime. Ah, on y aime bien. Ouais. Comme rougail, tomate, coton mili, piment vert. Ben, oui. Sans le piment vert, c'est pas rougail. Sans piment. Un petit bouquet de riz de riz chaud, et rougail chaud. Tomate, alors on vient là. Arrête juste un petit truc. Alors ça c'est quoi? Ça, on a mis le persil dessus, juste pour qu'il absorbe le goût. Après, il nous va finir par la crème fraîche et nous va remettre le persil dessus, on découpe. D'accord, donc on aura beaucoup de faire vert, hein? Ah oui, ben ça c'est maman, hein, j'adore. Regarde tout ça qu'il y a fait. Non, il paraît que c'est bon, il donne meilleur goût aussi. Oui, si. Après, faut pas aimer. Faut aimer aussi. Bon, allez, mon frère. Allez. Mais ça fait. On la rate toute. Hein. Oui, mais la rate toute. Hein. Moi, t'as une cause avec Banal là-bas. Et ben, Banal, il fait qu'il mange ici. Hein. Ouais. Mais c'est tant mieux parce que moi, à la fin, je ne connais même pas manger midi. Donc, mais je suppose que les gaillards sont là. Hein. Bah, c'est oui, bon. Gaillards, hein. L'odeur est là. L'odeur est là. Mais voir que la crème est déjà débouchée. Donc, tu veux dire que tout est mis là. Hein. Tout est presque prêt. Tout est presque prêt. Bon, voilà. Vous retrouvez un tablier alors. Ah, d'accord. Enfin, merci, maman. Prête à vous dire. Rends son tablier. On est bon. Ok. Bon, ben, Mila, ça sort alors parce que mamie, t'en fais quoi là-bas là? Bon piment, coton mili. Bon piment. Mamie veut faire cause de moune encore. Hein? Il y arrive la fin de l'année, là, il faut pique faire cause de moune. Mais bon, on connaît, on ne changera pas mamie. Hein? Non. Ben voilà. C'est bon, alors. Mais ça va alors? Allez, hein? Allez. Presque bon. C'est de la magie. Non, t'es menté. Hein? T'es pas assez rapide. En tout cas, il a une jolie couleur et ils sont super bons. J'espère que les non. Si à l'odeur elle est bon, la couleur elle est jolie, il peut être que bon. Normalement, il devrait. Normal. Normalement. Donc là, on laisse aller réduire un peu. Oui, voilà. On laisse aller réduire un petit peu parce que là, comme on voit, là, c'est en bouillon. Du coup, on attend 5 alors, minutes. C'est bon, le premier jus, j'ai dit, c'est bon. Ouais, ça va. Allez, couvercle, Ali, alors. J'essaie de faire vert. Là, c'est pour la déco. Voilà, non, pas beaucoup parce que. C'est ce qu'on fait dentelle. Voilà, c'est ce qu'on fait dentelle. Dentelle. Voilà. Donc, du coup, là, on a fini d'éteindre le feu. Donc, on l'a fini bien réduire. Voilà. Et donc, c'est bon, c'est voilà. Prêt. C'est prêt. Allez, comme quoi, en fait, le plus compliqué à faire, c'était les épices pour préparer et le tout. Les crevettes. Ouais. C'est surtout le travail, le nettoyage. Et. Je vous parlais, non, sans fierté. Bientôt, vous pouvez accéder.
canard austral, c'est notre fierté. Pas de chichi, pas de barrière, pas non plus de passe droit, encore moins de végétarien. L'accueil est simple et sympa. Avec pour décor la nature, pour l'accueil, pas de fioritures, quel que soit. Alors, prends-moi un plat de la Réunion avec un rougail saucisse, hein? Hein? Un rougail saucisse comme ça, d'abord, il refuse. Il refuse pas. Il refuse pas, hein? Surtout quand on est frais, hein? Mais mélanger avec un petit plat, un petit peu mal demandé, si c'était chez nous, ça. Hein? Un crevette au curry. Hein? Quand on dit curry, de l'Inde. Mais comme dans la crème fraîche dedans. Bah, il l'Inde, c'est la Réunion, non? Non, 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 c'est de la crème fraîche. C'est de la crème fraîche. Ouais, 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 pour changer un petit peu, hein. Parce que d'habitude, là, hein, on a des plats vraiment typiquement créoles ici, hein. Mais là, on a mélangé un petit peu aujourd'hui, hein, tu vois. On va goûter pour savoir si c'est bon. On va, ça change, hein. Ben, Pépita, viens, hein, va te servir, hein. Rougail saucisse, crevette au curry, hein. Ben ouais, on a goûté les quiches là au poireau, c'était très bon. Ah ouais, c'est Léonie qui a fait, c'est ma sœur qui a fait. Excellent. Ah ça c'est Mamie, Mamie voilà. Charlette, Mamie Charlotte, qui a fait. Bon, il paraît qu'on s'appelle Mamie Charlette parce qu'on a besoin de piment, piment à pâte. Ma salée aussi. On a besoin de ma salée. Ouais. Bon, voilà. Bon appétit. Merci. Depuis que on est là, il fait tout pour qu'elle nous réussir tous les jours dans l'harmonie et l'amour. Où est la prisonnière, puis que moi la rencontre, c'est où moi la choisir, et dans mon cœur où la rentrer. Où est la prisonnière, puis que moi la rencontre, sans mon moi les. L'homme le plus convaincu. Fini la pluie alors, la plus grande chose alors. Viens, regarde ça. Et même les crevettes, la pluie. Non. Bon. On fait encore régime à soi alors. Bah, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, jusqu'à la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Hein. Dans une nouvelle émission, toujours sur Canal Austral. À bientôt. Bye bye. Bon, il reste un petit peu pour où? Oui, ça va. Les bons partages, si vous voulez. Les bons partages.